Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce matin, bien matinal. Et voilà, je vais vous faire voyager. Je vais vous emmener en République démocratique du Congo, un pays avec, pour lequel je me suis familiarisée depuis 2014, une région, le Kivu. Et j'y suis allée parce que j'ai rencontré un homme extraordinaire, un homme extrêmement engagé, qui a mis son expertise au service des femmes de son pays, des femmes et de sa région, le Kivu. Ici, là, nous sommes à Panzi, c'était il y a 2 mois. Et ces femmes, il les répare. Cet homme est gynécologue. Il a été récemment, en octobre 2018, prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege. Sa rencontre a été pour moi un allumage, un déclic quant à son engagement. Et j'ai voulu mettre le mien à son service et au service de ces femmes. Ces femmes, elles sont victimes de viols utilisés comme armes de guerre. Et cet homme gynécologue est devenu un spécialiste de la réparation des parties génitales, parce que le viol utilisé comme arme de guerre, c'est ce qu'il peut y avoir de pire, pas seulement pour la femme, mais pour toute une société. Et cet homme les a réparés, et il a fait plus que ça. Il a mis en place tout un système complètement innovant d'accompagnement global pluridisciplinaire. Il a fait sortir un hôpital de terre. Et pour les plus vulnérables, les plus vulnérables, je les ai rencontrés et j'ai proposé mon expertise à moi, qui est celle du sport, pour ces jeunes femmes. Elles ont entre 12 et 18 ans. Et donc elles ont subi ces violences, elles ont été réparées. Elles ont souvent l'enfant issu du viol. Elles peuvent avoir le sida. Elles peuvent avoir de très graves conséquences liées à leur traumatisme, donc des conséquences psychologiques. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce contexte hostile, chaotique, eh bien, ces femmes ont une énergie, une vie. Elles ont une capacité extraordinaire de résilience après tout ce qu'elles ont subi. Et ce que j'ai mis en place, parce que le constat que j'ai fait, c'est que le docteur, à la maison d'Orcas, ce qu'il a fait, c'est qu'il leur a permis d'avoir accès directement à des soins médicaux, à des psychologues, à l'école gratuite, à des formations professionnalisantes pour donner l'autonomie à ces femmes. Et moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, et le corps ? Le corps qui a été celui qui était la source des souffrances de ces femmes et des atrocités qu'elles ont subies. Que fait-on pour le corps? Alors, j'ai mis en place un programme de karaté en 2014. Et voilà, aujourd'hui, Zawadi, Sandra, Marie, toutes ces jeunes femmes, une fois par semaine, elles font du karaté et du foot. Et elles se reconnectent à leur corps. Elles retrouvent l'estime d'elles-mêmes. On s'amuse beaucoup. On rigole. On joue. Ça leur permet... On respire. Vous imaginez ? Respirer. Juste respirer. Apprendre à respirer. Apprendre à s'amuser. À être en relation avec l'autre, à retrouver l'estime de soi, à pousser des cris en faisant un coup de poing. Toutes ces choses-là, ces femmes, ces jeunes femmes qui souvent sont mamans, que j'ai vues là il y a 2 mois, retrouvent le sourire, ont une relation différente avec l'enfant. Et ça, c'est le pouvoir du sport.
elles retrouvent aussi la confiance, elles arrivent à se concentrer, à croire en leur avenir. Et c'est aussi parce qu'on le fait de manière, on le fait ensemble avec d'autres experts, et ça marche. Et au bout de 2 ans de pratique, certaines d'entre elles m'ont dit, ça c'est Sandra que vous voyez, qui a été une des premières jeunes femmes que j'ai rencontrées, qui est maintenant laborantine, qui est diplômée. Et c'est Sandra qui m'a dit en 2016, Laurence, je veux retourner à Goma, je veux retourner dans la ville où tout s'est passé, et je veux transmettre à mon tour, je veux transmettre à ma voisine, à ma cousine, à ma tante, pour que ce qui m'est arrivé ne leur arrive pas. Donc moi, quand on me dit ça, avec le triste constat aussi qu'elles n'avaient pas possibilité de s'exprimer par le corps et de se décharger potentiellement d'émotions hyper négatives, eh bien, j'ai créé Fight for Dignity pour que ça se pérennise, pour qu'il y ait encore plus de femmes qui aient accès à leur corps, qui se sentent exister, qui se sentent libres et qui puissent être elles-mêmes et qui retrouvent la force qu'elles avaient déjà en elles. Voilà, ça c'est le travail au Congo. Et quand j'ai parlé, comme je vous le dis aujourd'hui, de ce que j'ai fait là-bas, on m'a dit, mais Laurence, pourquoi est-ce que tu fais pas ça en France aussi? Alors j'ai dit, ah ben effectivement. Et du coup, en mars 2018, je suis allée à la Maison des Femmes de Saint-Denis et je vais essayer de vous envoyer le film. Non, excusez-moi. Ah ! Et j'ai démarré le même travail. Le sport m'a permis de connaître mon corps. Et c'est parce que j'ai connecté celui-ci à mon mental que je suis forte, confiante. J'ai aiguisé mes sens. J'ai identifié mes émotions, je les ai acceptées et je les ai maîtrisées. Fight for Dignity est né. C'est quand même une triple championne du monde qui me dit à moi, tout ce que je fais, c'est bien. À l'arrivée, travailler avec son corps, ça te recentre, ça te connecte à quelque chose de réel, la terre, tes cellules, ta respiration, être vivante. Quand t'as cru mourir, être vivante, c'est super fort, quoi. Le viol marque et empêche de vivre, de parler, d'aimer, de travailler. La culpabilité, la honte, c'est encore moi qui la porte. Qui je suis pour que ça soit à moi que ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Le karaté, ça m'aide beaucoup. Parce que l'objectif pour moi, c'est de pas sombrer. Comme je disais, de rester debout et pouvoir rester maman. Solidarité avec les femmes du monde entier. Merci. Merci pour elle. Merci pour elle. Je suis désolée, à chaque fois, je suis assez émue. Voilà, simplement, moi je voulais quand même remercier, avant qu'on en dise plus, que vous aviez des questions, je voulais vraiment remercier la Poste de m'avoir permis de vous faire partager cette expérience extraordinaire de ces femmes qui souvent sont dans le silence et qui sont les championnes et qui sont des survivantes. Et voilà, simplement de vous faire partager aussi le fait qu'il y a des choses extraordinaires qui peuvent se passer et que ça marche.
Voilà, le sport est une vraie solution. Et il faut que plus de femmes y aient accès parce que ça donne, c'est très très efficace. Et je suis très heureuse de pouvoir d'être avec vous et de vous faire partager cette aventure, parce que c'en est une expérimentale, nouvelle, qui j'espère donnera des, on l'espère, pour accompagner beaucoup plus de femmes. Merci Laurence. Alors, moi, je suis personnellement très touchée par votre combat et aussi par l'émotion que vous dégagez là sur scène. Je dis vous d'un coup, en fait, je dois tutoyer. Mais c'est fort parce qu'effectivement, le sport utilisé de cette façon-là, c'est vrai qu'on n'y pensait pas forcément. Et toi, tu l'as fait, tu as prouvé que ça marche. Donc, c'est génial. Et je voyais à la fin qu'il y avait une cagnotte Ulule. Donc, je vous invite tous à au moins en parler parce que je pense que le message doit circuler. Est-ce que tu formes différentes personnes dans d'autres villes de France actuellement ou c'est seulement à la Maison des Femmes ? Oui, en fait, on vient juste de commencer, comme je vous l'ai dit, en mars 2018. On travaille déjà dans une structure extrêmement innovante, puisque comme sur le modèle de la Maison Dorcas, on est dans un accompagnement pluridisciplinaire en post-trauma de ces femmes. Et donc ce modèle commence à se dupliquer aussi en France, à Saint-Denis, mais à Bordeaux et à Nantes. Et nous, ce qu'on se dit d'abord, c'est qu'on veut comprendre par où passe le traumatisme et comment nous, par le sport, on peut être sûr qu'on le rende accessible et adapté au traumatisme. Donc on a lancé une recherche action pour mesurer l'impact et pour mettre en place cette méthodologie. Et fort de ce résultat, on commence déjà à identifier des enseignants et puis pour pouvoir les amener effectivement à pouvoir déjà être à Saint-Denis et à aider dans les autres villes. Que des femmes ? À ce moment-là, en situation de post-trauma, oui. Là, vous avez vu, par exemple, à Saint-Denis, ce sont des femmes qui sont victimes de violences conjugales, par exemple. Et ouais. Je pense que c'est assez compliqué quand on est dans un parcours de soins. Pour l'instant, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais vu le niveau de non-savoir, de non-accessibilité, même pour les hommes, c'est plus réconfortant pour une femme qui a des conséquences. Si vous voulez, le post-trauma, il y a des conséquences, par exemple l'hypervigilance, où elles sont très angoissées. Donc les amener, ça pourrait les ramener potentiellement moins rapidement à elles-mêmes si c'est un homme qui enseigne. Et puis c'est extrêmement aussi valorisant, les femmes, mesdames, rôle modèle, c'est important aussi qu'on puisse s'identifier à une femme quand on est dans une femme forte. Et moi, je crois beaucoup à ça. Et c'est un accélérateur aussi pour nos femmes victimes. Alors moi, j'ai une liste de questions parce que ça me passionne. Mais vous aussi, vous pouvez poser vos questions. Je vous rappelle, c'est sur slido.com/labpostale. Pour toi, pour reprendre le fil de notre discussion, ce sont des patientes, ce ne sont pas des sportives, les femmes que tu accompagnes. Est-ce que tu connais leur histoire ? Alors, je ne veux pas savoir leur histoire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que juste... Enfin, je ne veux pas, sauf si elles veulent en parler. En général, on leur demande 40 fois ce qui s'est passé pour le psychologue, la police. Enfin, quand elles ont la démarche, elles demandent beaucoup de... Voilà. Donc moi, non. C'est un moment où je ne vais pas les juger. Je vais simplement les accueillir avec beaucoup de bienveillance et leur faire la pratique. Donc je ne sais pas. Et parfois, elles en parlent. Par contre, je sais que ce que je vous ai dit pour les survivantes au Congo... Je sais qu'elles peuvent avoir le sida. Forcément, moi, elles viennent avec l'enfant, donc elles ont l'enfant issu du viol. T'as des morceaux, tu sais. Oui, je sais, mais en même temps, l'important, c'est que justement, au moment où elles décident, elles, d'avoir la démarche de pratiquer, ça compte, on n'est pas là-dedans. Mais là, par contre, la pratique, on va faire très attention à la manière dont on va faire. Mais alors, est-ce que tu penses qu'elles sont plutôt vulnérables ou elles ont une grosse carapace ? Comment tu les perçois en séance ? Elles sont vulnérables. Elles sont vulnérables. Elles sont à un moment, si on revient à Saint-Denis, c'est un moment où elles font la démarche extrêmement courageuse et avec beaucoup de volonté de venir se faire aider. Ce qui est quand même très fort parce qu'elles ont souvent la peur. On a aussi des femmes réfugiées à Saint-Denis, réfugiées, excisées, violences conjugales, viols, pédocriminalité. La démarche qu'elles ont, elle est très courageuse. Donc la vulnérabilité, évidemment qu'on la sent, et évidemment qu'elles se sont carapacées. Et simplement, c'est d'essayer de les ouvrir à elles-mêmes en se disant « Mais oui, je suis forte. » Et c'est ce qu'a dit l'une d'entre elles. Elles ont la culpabilité, elles ont la honte. Et nous, on leur dit « Oui, tu as la honte et la culpabilité. » Mais c'est pas toi. La honte, c'est pas toi qui dois l'avoir. Et nous, on essaie de faire ce travail. Et en partie, alors c'est pour ça que c'est à la fois psychologique, mais aussi d'un point de vue physique. Ces femmes n'ont plus de sensations. Elles n'ont pas de sensations corporelles. Au corps, ouais. Oui, elles n'en ont plus.
parce qu'elles ont bloqué, parce qu'elles se protègent, effectivement. Et nous, on essaie juste de les ramener à identifier les parties du corps, à avoir des sensations. Vous savez, donc, on fait des choses extrêmement simples aussi. Est-ce qu'il y a une rencontre qui te hante encore aujourd'hui ? Je ne suis pas hantée. Et c'est pour ça que j'ai l'engagement. Pour moi, hantée, il y a une connotation un peu négative. Je suis... Et tu te bats pour une femme. Tu parlais de Sandra tout à l'heure. Oui. C'est des femmes, mais en fait, elles sont vulnérables, mais elles sont très fortes. Parce que le terme survivante, c'est qu'elles ont survécu à des choses que même moi, je ne peux pas m'imaginer. Et donc, du coup, elles sont mon engagement, parce que je les ai rencontrées. Et quand on les rencontre et qu'on voit à quel point elles se battent et à quel point elles sont fortes, je ne peux pas lâcher. Mais je ne suis pas... Elles sont toutes uniques. J'ai des anecdotes avec chacune. Mais c'est ce groupe et c'est l'individualité ensemble aussi qui fait que j'ai l'engagement. Alors Laurence, tu en as très peu parlé dans cette présentation, honneur à toi, mais en fait Laurence, tu as un palmarès de fou et tu n'as pas eu de médaille pour Fight for Dignity, mais tu as eu beaucoup de médailles puisque tu fais du karaté. Attends, je donne le palmarès, il est impressionnant. 11 fois championne de France, 7 fois championne d'Europe et 3 fois championne du monde, et ça, tu vois, c'est marrant parce que dans la présentation, on ne le met pas en avant. Et pourtant, c'est quelque chose qui est très important parce que tu donnes l'image d'une femme qui a réussi, qui est allée au bout en fait, d'un palmarès, au bout d'un sport. Est-ce que tu en parles avec elle et est-ce que tu mets aussi quand même de temps en temps en avant tes médailles pour qu'elle continue le combat ? Oui, alors en fait, je sens que c'est pour elle, c'est un... elles sont très fières. Elles sont fières de savoir que c'est une championne qui vient vers elles. Que ce soit au Congo, elles ne savent pas toutes hein, en France, mais même au Congo, toutes ne savent pas. Mais après, je suis blanche, alors forcément, une blanche qui vient, il y a un peu ça, ça ne me plaît pas d'ailleurs. Mais du coup, non, mais je sais que ça peut servir d'exemple, ça c'est sûr, mais je ne m'en sers pas parce que je veux vraiment que j'ai l'enjeu énorme de que ce soit des enseignantes avec une certaine expérience quand même qui transmettent à leur tour. Voilà. Après moi, évidemment, je me sers de mon expertise, de mon expérience pour vous dire aussi qu'être athlète de haut niveau, c'est pas que la performance. Moi, ce que j'adore dans le combat, c'est pas simplement se donner des coups, c'est ça. Super là. c'est ça. Ouais. C'est qu'à un moment donné, on est en échange, on est dans un échange, on est à nu, on est forcément nous-mêmes parce qu'on va devoir donner quelque chose de très personnel, c'est un engagement où on a beaucoup travaillé, comme ici, il y a eu un travail de dingue pour faire ça en place. Pour combien ? Pour 2 jours. Et ça s'est fait vachement en avance. Ça, c'est respect. C'est ce qui fait qu'on apprend sur soi. C'est très respectueux. Hein, et c'est ça qui m'intéresse. C'est ça que j'ai appris dans la connexion à l'autre et que je mets au service des plus vulnérables qui n'y ont pas accès. Le karaté m'a fait ressortir ce que j'avais en moi de très puissant. C'est ce que tu as dit une fois. On a des questions Slido. Et une qui est très intéressante. Comment inclure la démarche de Fight for Dignity pour la perspective des JO en 2024 ? Ça, c'est quand même intéressant d'en parler. C'est vrai que les JO, ça serait une bonne façon de mettre un coup d'éclairage sur ton action. Oui, c'est vrai que les Jeux Olympiques, il y a une vraie réflexion sur justement, on parle d'impact et d'héritage. Qu'est-ce qui va rester des Jeux ? On travaille à Saint-Denis et c'est vrai que nous, on travaille sur ça aussi. C'est-à-dire qu'on travaille sur l'effet que ça fait à la femme pour elle, mais aussi dans sa relation à l'autre, à sa famille, au fait qu'elle puisse aller avoir du travail. Et c'est vrai que forcément. Attends, tu veux toutes les lire. Démarche, oui. Mais on fait partie de cette vague de structures extrêmement engagées qui croient aux valeurs du sport et qui, en le mettant au service des plus vulnérables, effectivement, c'est extrêmement valorisant pour les femmes de Saint-Denis, mais pas que. Et du coup, effectivement, pour ce qui va se passer aux Jeux Olympiques. Et croyez-moi qu'ils font un énorme travail sur le fait de se dire oui, les Jeux, mais après les Jeux. Et comment les clubs, et comment sensibiliser
les jeunes, pas seulement à Saint-Denis, mais partout sur le territoire, pour se dire, ayez cette, on vous transmet ces vibes sport, que vous vous l'appropriez, que vous ayez envie d'aller faire du sport. Ben justement, une autre question, est-ce que tu penses que le sport, d'autres sports, peuvent avoir ce bénéfice-là, en fait, permettre aux femmes de se réparer, ou c'est seulement le karaté ? Alors, je pense que le karaté, on a du fait, comme je vous ai dit, on a un échange très direct avec l'autre, et donc du coup, on est obligé de faire un travail introspectif assez important, parce qu'on a un engagement avec l'autre, avec une certaine prise de risque, mais on a la maîtrise de soi, donc on a maîtrisé ses émotions, on a maîtrisé son corps, à savoir comment on va l'engager. On a des petites choses comme ça, peut-être un peu plus, on a le fait de la transformation, d'un coup on part au Japon parce qu'on est en kimono, ça aide beaucoup, mais à mon sens et mon objectif aussi, c'est de se dire, on travaille sur la défense, sur la protection. Ça, pour une femme, c'est important. On n'est pas sur du self-défense ou l'autodéfense. On est vraiment sur un travail de comment je me protège d'abord, moi, de moi, parce qu'il y a, et aussi, je peux être en capacité de penser que je puisse me défendre. Mais après, pour moi, c'est que tous les sports, les valeurs du karaté, ce sont les valeurs du sport. Si vous êtes sportive, tous, on sait, même aller courir, On a un moment de liberté, bon, alors on transpire, on est obligé de faire l'effort d'aller faire le sport peut-être, mais les conséquences, ce que ça nous apporte, et sans avoir été victime, ou avec sa propre, sa vulnérabilité, c'est énorme. On est stressé, on prend ses baskets, on va courir, on revient, on a même eu le temps de cogiter, d'aller mieux. Imaginez pour ces femmes. Donc, tous les sports, à mon sens, c'est une question d'éducation, de pédagogie. Et surtout, il faut qu'on mesure l'impact et de la pratique et que cette mesure-là qu'on est en train de mettre en place, on puisse aussi le partager avec le tennis, avec d'autres sports de combat. Parce que l'objectif, c'est que de manière, j'espère que de manière systématique, le sport puisse être un vrai outil d'accompagnement dans ce contexte pluridisciplinaire des femmes victimes de violences. Parce que ça fonctionne. Il faut que les conditions s'y prêtent, il faut qu'on en sache plus, c'est ce qu'on fait, mais que tous les sports, le sport a cette, je ne sais pas que c'est une obligation, mais a ce devoir aussi spécifiquement pour ce public. Et le constat malheureux que j'ai fait, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour les femmes victimes de violences par le sport, aujourd'hui, concrètement? On est très peu nombreux à avoir cet engagement, alors qu'à un moment donné, la violence arrive par le corps. Alors, tu as parlé tout à l'heure de comment tu as eu envie de t'impliquer pour Fight for Dignity, par une rencontre, mais est-ce que tu peux nous en dire plus ? Parce que c'est l'une des questions. Qu'est-ce qui t'a amené du sport de compétition à cette cause humanitaire ? En fait, j'ai toujours eu ça. J'ai commencé quand j'étais jeune, je travaillais dans les quartiers nord à Marseille, et avec des enfants, moi j'étais en mode entraînement intense, j'étais complètement focus, comme beaucoup d'athlètes, sur la performance. Et puis je rencontre des enfants, je leur fais faire à l'échauffement les mains moites. Ils me disent, oh madame, j'ai les mains mouillées, qu'est-ce qui se passe ? J'ai fait, on en est là. Et puis j'ai vu le manque de repères, le fait de pas, par rapport aux règles. Et ça, c'est le sport aussi qui peut apporter ça. Ça commençait comme ça, dans une prise de conscience, me dire, mais attends, mais toi tu es au niveau là, mais en fait, il y en a qui n'ont pas du tout accès. Et j'ai fait des rencontres extraordinaires. J'ai travaillé pour des ONG comme Play International, l'Agence pour l'éducation par le sport qui s'appelait Fénoréva à l'époque, et qui eux ont réfléchi à l'éducation par le sport. Et c'est par ces rencontres, et surtout, comme je vous dis, par la rencontre des pratiquants, des enfants, des jeunes femmes en Afghanistan, la notion de liberté, la liberté d'être soi, je vous ai parlé de la liberté quand on va courir. Mais quand vous êtes dans un pays où vous n'en avez pas, parce que, de par votre condition, où les filles venaient en me disant « ben moi je viens, mais en fait, au risque de ma propre vie, parce que si mes parents ils le savent, ils me tuent, mais ils me tuent », et ben à ce moment-là, moi j'ai dit « on en est là aussi. Comment est-ce qu'après ces rencontres-là, moi je ne peux pas m'engager ?» Voilà, c'est juste ça. T'as eu envie d'être utile. Mais bien sûr. Ouais. Et le docteur Denis Mukwege, je l'ai forte de ses 15 ans d'expérience d'éducation par le sport, j'ai rencontré le docteur à l'occasion du Forum mondial des femmes francophones au Quai Branly, et là... Déclic. Mais oui, le viol utilisé comme arme de guerre, je ne savais même pas que c'était possible. Une arme de guerre, ça veut dire que
ça ne coûte rien. Ça coûte moins que des armes, mais ça vous met en ça, c'est comme dit le docteur, c'est un cancer et puis tu as les métastases. Tu violes une femme devant son père, sa sœur, devant la famille. On est dans une société patriarcale, ils sont impuissants. Il y a la peur, il y a tout qui parle. Il y a un traumatisme, mais pas que pour la femme, pour toute la société. Les gens, ils s'en vont. Et ça fait quoi et ça ne coûte rien. Dans tous les conflits, c'est ça. Hier, c'était la journée internationale contre les violences sexuelles dans les zones de conflit. C'est assez systématique. Il faut en avoir conscience de ça. Moi, je le réalisais pas. Et les conséquences sur la société. Voilà. Et moi, à partir de là, je me dis, mais ça m'a profondément touchée. Je me suis dit, comment moi, avec ce que je sais faire, je peux aider. Constat, en post-trauma, ces personnes-là n'ont pas accès à leur corps. Qu'est-ce que je peux faire par le sport ? Je mets ça en place et les retours sont extraordinaires. Les jeunes femmes qui me disent « je veux aller à Goma, je veux aller dans mon village pour enseigner, pour pas que ça leur arrive, ce qui m'est arrivé. » Je ne pouvais pas espérer, j'avais coché la case « estime de soi » et « réappropriation du corps », mais quand elles m'ont dit ça, c'est ça en fait, c'est ça qui est très positif. Ben merci Laurence. Il y a eu beaucoup de réactions, pas seulement des questions, mais en tout cas, je pense que cette salle t'a porté aussi. On a vraiment envie de t'aider, toi comme nous tous, moi comme nous tous. Rejoignez le combat, soutenez Fight for Dignity. C'est vraiment important, vous l'avez compris, ça marche, donc il faut en parler. Merci Laurence. Merci beaucoup, merci Carole, merci à vous. Merci.